Fin du suspense, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont au second tour de la présidentielle, alors que dans l'Aude, le FN est arrivé en tête, suivi par Jean-Luc Mélenchon. Hier soir, à Carcassonne, à l'annonce des résultats, il y avait de la joie et beaucoup de déception dans les QG de soutien des différents candidats. Tour d'horizon des réactions, à commencer par Jean-Claude Pérez, en marche pour Emmanuel Macron, après avoir quitté le PS au doigt. Le député de l'Aude ne cache pas sa joie et n'oublie pas au passage d'étriller les dirigeants du Parti Socialiste au doigt. Je suis heureux parce que les progressistes en France sont devant. Et quelle joie de voir les humanistes, des gens qui sont là de tous bords, de toutes tendances, puisque c'est une recomposition, et qui prônent toujours l'ouverture d'esprit, qui prônent la tolérance, qui prônent l'humanisme. Ils sont en tête. Quelle leçon j'en tire ? Quand des dirigeants socialistes se disent socialistes quand ils ne le sont pas, qu'ils font une politique de bobo, qu'ils disent être socialistes alors qu'ils ne le sont pas, ils le paient aujourd'hui dans les urnes. Et aujourd'hui, le résultat de l'état-major de la rue Feydeau est à l'image de la politique qui a été menée, c'est-à-dire déplorable. Si Marine Le Pen est arrivée en deuxième position au niveau national, le FN de l'Aude ne cache pas sa satisfaction et lance un appel à se rassembler derrière la candidate frontiste. On est très très satisfait de ce résultat. Marine Le Pen au deuxième tour. Maintenant, on se prépare pour le second tour, bien sûr. Dès demain, on sera sur le terrain. Et nous appelons tous les patriotes de l'Aude et de France à se réunir derrière Marine. Bien entendu, dès demain matin, les Français ont le choix, ou voter pour la France, ou voter pour l'Europe. Mais la plus grosse déception était rue Feydeau, à Carcassonne, au siège du Parti Socialiste, où les militants étaient d'ailleurs peu nombreux. Le candidat du PS a terminé 5e de ce premier tour avec 6,36% des voix dans le département, traditionnellement ancré à gauche. Pour Jean Brunel, premier secrétaire fédéral du PS au doigt, le candidat a été victime du vote utile. Déception de voir encore une fois, pour la deuxième fois en 15 ans, le Front National présent au deuxième tour d'une élection présidentielle et le sentiment d'un gâchis, d'une campagne qui finalement n'aura pas à aucun moment opposé réellement des projets, mais qui, par l'effet des sondages et le fait que les affaires ont masqué énormément le débat politique, s'est transformé en une campagne de votes utiles. J'appelle les électeurs à se reporter sur la candidature d'Emmanuel Macron et à faire en sorte que le Front National ait le score le plus bas possible. Quant au QG des Républicains, c'est la tristesse et la désillusion qui dominent. François Fillon est arrivé en 3e position et 4e dans l'Aude. Isabelle Chéza, présidente départementale des Républicains, ne donne pas de consigne de vote, mais vise déjà les législatives. Nous pensions effectivement que François Fillon serait qualifié pour le deuxième tour, donc c'est vraiment une déception pour nous ce soir. Cependant, je constate quand même que le Parti Socialiste est encore plus en état de choc que les Républicains. Donc c'est également l'effondrement du Parti Socialiste. Nous avons ensuite un deuxième tour, mais également des législatives. En ce qui concerne le deuxième tour, je considère que je n'ai pas à dire aux Audois et aux Audois pour qui il faut qu'ils votent. Je pense que les électeurs sont suffisamment grands pour s'exprimer à leur âme et conscience. En ce qui me concerne, je ne donnerai pas de consigne de vote. Enfin, chez les partisans de Jean-Luc Mélenchon, c'est la satisfaction qui domine. Le candidat de la France Insoumise a réalisé un score inespéré dans le département, 21% des voix. Pour Mylène Vincentini, secrétaire départementale du PCF de l'Aude, il faut faire barrage au FN. On est content. On ne va pas bouder notre mécontentement quand même. La gauche de transformation sociale arrive en 3e position, donc c'est bien. Maintenant, il faut concrétiser. Un, au second tour, il faut empêcher à tout prix de... Il faut faire barrage à Marine Le Pen, barrage à l'extrême droite. Et deux, après les législatives qui arrivent en suivant, il faut arriver à avoir des députés forts. Il faut arriver à avoir un groupe important à l'Assemblée nationale pour créer un rapport de force entre, si c'est Macron qui passe, il faut qu'on crée un rapport de force. Des résultats qui bouleversent le paysage politique français, mais aussi au doigt. Toutes les cartes sont rebattues. Les représentants locaux des candidats déchus ont déjà l'œil rivé sur les législatives de juin prochain.